tient la parole maintenant Madame Baskova, ministre de la Justice de la République tchèque. Yes, please. Thank you. Mr. Chairman, merci. Monsieur le Président et Monsieur le Président du Conseil économique et social, chers amis, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur pour moi que de vous souhaiter la bienvenue à cette sixième conférence internationale de l'Observatoire international de la justice juvénile qui se tiendra aujourd'hui et demain avec comme titre « Faire de la privation de la liberté des enfants, un dernier ressort vers des politiques sur des alternatives fondées sur des preuves, des faits prouvés, pardon, qui se déroule à un moment où nous fêtons le 25e anniversaire de l'adoption de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. D'emblée, je tiens à remercier notre hôte, l'Observatoire international de la justice juvénile, pour avoir organisé cet événement si important, juste en ce moment si pertinent, justement. Et je tiens à vous remercier également de m'avoir donné la possibilité de partager avec vous ma vision des choses. Mon discours sera nettement plus court et plus général, peut-être, que celui des intervenants qui m'ont précédé. Mais je peux vous dire qu'en tant qu'ancienne collègue, et j'espère le redevenir à l'avenir également prochainement, je peux souligner le fait que je conçois vraiment la nécessité d'entreprendre et d'adopter des mesures dans ce domaine, sujet qui est très important dans cette Europe qui est la nôtre, qui a un développement incertain, si l'on veut, où l'on voit apparaître certains dangers pour les acquis que nous avions du passé. À l'issue de la Première Guerre mondiale, un certain nombre de pays européens ont décidé d'établir un système spécifique de justice pour les jeunes et les enfants. Et c'était le cas aussi en Slovaquie, c'était le premier en 1931, telle justice a été mise en œuvre. 1931. L'ensemble des nations civilisées ont déjà reconnu que le châtiment, les sanctions ne répondent pas aux besoins et à la situation des délinquants juvéniles. Il est reconnu également qu'il est nécessaire de traiter la question en se penchant sur les causes qui sont à l'origine du comportement délictueux. Et c'est l'approche à adopter pour régler le problème de manière non seulement répressive, mais éducative pour éviter le renouvellement de comportements dangereux. Il convient d'adopter des mesures qui visent l'avancement, le progrès, le développement de l'enfant. Ces systèmes sont en péril aujourd'hui, d'autant plus que la recherche aujourd'hui continue de démontrer qu'il y a des différences fondamentales entre l'esprit des enfants et des jeunes et l'esprit des adultes dans le domaine. La prise de décision ne se fait pas de la même manière chez les enfants que chez les adultes, et c'est la raison pour laquelle il faut accorder aux enfants un traitement spécial dans le système de justice, parce que les motivations du comportement délictueux sont différentes. Les enfants sont plus facilement la victime d'influence et ils ne comprennent pas forcément les conséquences de leurs actions. En d'autres mots, les adolescents sont très différents des adultes, et c'est la raison
Et ce, en ce qui concerne aussi leur capacité à changer et leur capacité peut-être à réfléchir. Et cela, il faut l'intégrer dans les politiques et dans les pratiques que nous adoptons. Cela ne veut nullement dire que nous ne devions pas prévoir de système de justice pour les enfants, les adolescents, mais simplement, cela veut dire que ce système qui existe doit également être accompagné par des interventions qui comprennent que la délinquance juvénile, on la traite bien mieux avec un ensemble de mesures qui tiennent compte des besoins et de la situation des enfants. Et c'est ainsi que l'on pourra effectivement s'attaquer aux causes d'origine de leur conflit avec la loi. Comme cela a déjà été souligné ce matin, il y a donc les enfants qui sont accusés ou qui sont coupables, déjà reconnus d'infractions à la loi. Il y a différentes mesures qui doivent être appliquées. Il faut préférer celles qui rentrent dans le système que nous prenons. Cette année, nous célébrions le 10e anniversaire de la loi en matière de justice juvénile qui prévoyait toute une série de poursuites et différentes mesures, y compris des sanctions au pénal qui peuvent être imposées à un enfant ou un adolescent. Mais ceci dit, les caractéristiques communes et le principe sous-jacent de tout ce système en ce qui concerne différentes tranches d'âge, était celui de comprendre que les enfants qui ne sont pas encore responsables du point de vue pénal, eh bien, pour ces enfants, il faut mettre en place des mesures alternatives. C'est là une loi tout à fait d'avant-garde qui prône un certain nombre de changements au système pénal et judiciaire de la République tchèque. C'est un texte de loi qui a influencé, qui a lancé vraiment et promu un renouveau dynamique du système dans une évolution positive. Et nous pouvons vous dire qu'au cours de ces 10 dernières années, la diminution de la délinquance juvénile a été caractérisée et donc nous voyons la réussite du système. Mais ce qui est plus important encore, c'est que la part relative de délinquance juvénile par rapport au taux de criminalité générale a diminué, alors que la criminalité dans l'ensemble augmente en République tchèque comme dans d'autres pays européens et dans les cas où il y a une diminution, les taux restent malgré tout trop élevés. Et c'est un phénomène dont doivent tenir compte les décideurs politiques, surtout ceux qui vont s'occuper de législation pénale. Et dans mon cas, le ministère de la Justice est parmi les premiers concernés. Alors, il y a une conférence de la Société européenne de criminologie qui s'est tenue en septembre cette année à Brague, et nous avons compté la participation de plus de 1000 professionnels provenant de 50 de pays. Au cours de cet événement, nous avons pu aborder bon nombre des problématiques qui voient le jour dans les systèmes de justice, le fait qu'il n'y ait pas parfois de procédure spécifique pour les enfants dans le cadre des interactoires de police, avant même donc qu'il y ait une poursuite judiciaire, le fait les mises en détention et différents éléments, le fait qu'il est plus difficile pour les enfants de rester en contact avec leur famille d'origine ou avec leur milieu d'origine, le fait que parmi les délinquants juvéniles, il soit difficile de prévoir justement la réinsertion sociale. Monsieur le Président du Comité économique et social, chers amis, mesdames, messieurs, pour revenir à la première touche historique, si l'on réfléchit sur le commentaire qui a été dit formulé en 1971 lors de la création du premier tribunal pour enfants de la République tchèque, je peux citer, il faut voir le délinquant juvénile non seulement comme une personne qui doit être poursuivie et sanctionnée, mais avant tout comme un être humain, une personne qui a besoin d'aide et de protection.
Aujourd'hui, en 2014, nous pouvons rappeler cette affirmation et la faire nôtre. Il est crucial de garder à l'esprit le développement de l'enfant, parce que les enfants sont la promesse de l'avenir pour nos sociétés. Et la meilleure approche est une approche qui dit que les erreurs peuvent être commises, mais que nous pouvons continuer de proposer un appui, un soutien, un accompagnement. Tous les enfants commettent des erreurs, mais ils doivent être amenés à grandir, à se développer, à devenir des adultes. Et c'est cela que nous devons proposer. Et dans notre discussion en matière de justice juvénile en Europe et ailleurs également, nous devons bien rappeler que l'expérience à l'échelon international va dans ce sens également. J'aimerais souligner aussi à quel point l'échange à l'échelon international d'expériences, de recherches, de réflexions est important, mais aussi tout ce qui a trait à la politique et aux politiques dans le domaine pénal. Nous devons réfléchir à appuyer, pour déterminer comment appuyer les mesures qui seront le plus efficaces dans cette lutte que nous menons contre les préjudices et contre les visions populistes et contre les approches trop réductrices de ce qu'est la justice juvénile. C'est là l'objectif de cette réunion qui nous permettra également de partager des idées novatrices. Et je vous souhaite à tous un débat très fructueux. Et il m'incombe maintenant le grand honneur d'où déclarer ouverte cette 6e conférence internationale de l'Observatoire international de la justice juvénile. Et je vous remercie pour votre attention.